Voilà, il y avait le nouvel an lunaire aussi qui était ce week-end. Et bah, j'espère que vous avez eu un bon nouvel an. Et il y avait quoi d'autre aussi? Il y avait quoi d'autre? Oui, alors du coup, il y a les problèmes démocratiques au Sénégal. Il n'y a pas que démocratique, je pense que c'est politique aussi, bien entendu, hein, parce que ça va ensemble. Voilà. Il n'y a pas eu de mise à jour, d'après ce que j'ai compris. Pour ça. Mais il y a eu Isonomia qui a fait partager le Free Sénégal sur Twitter, donc je pense que ça a fait un peu la plupart comment ça s'appelle? Des posts que vous avez vus, voilà, c'était Isonomia aussi qui avait mis en avant ça. C'était important, hein, et c'est toujours important. Il faut suivre ce qui est en train de se dérouler, parce que c'est... Je sais même plus quoi dire maintenant. En fait, je comprends pas. Il y a beaucoup de gens qui sont vocales et tout, mais en fait, j'y arrive plus en fait là. C'est soit trop violent, soit voilà. On cherche pas de sens, hein, mais c'est juste que. Oui. Une tâche facile. C'est dur en fait. Chaque jour c'est dur. Ouais, donc voilà. Je sais plus où on est. On est où déjà? Ah oui, on était allé se balader dans le monde. C'est ça l'histoire. On est au pont de flamme 20. Voilà. Je sais plus ce qu'il y avait à foutre ici, mais. Entrée du donjon. Est-ce qu'on a envie de faire un donjon? Ça, c'est pas une entrée, ça? On y va. Ah oui, on le faisait du level up. Oui, parce que c'est pour ça que j'ai mis Sierra. Mais ils sont où, Edgar et Alan? Bonjour la compagnie. Bien le bonjour à vous, mes amis, belle journée, n'est-ce pas? Cette région n'a pas toujours été aussi calme, cependant. Comme en témoignent les ruines autour de nous, cela a constitué une perte tragique pour cet endroit. Il y a environ 300 ans, j'ai des histoires à raconter, des histoires de héros et de vauriens qui ont vécu ici depuis ces temps prospères. Auriez-vous plaisir à en entendre une? C'est un poème épique sur lequel je travaille depuis quelques temps, basé sur la rumeur et sur les choses étranges que je vois dans mes rêves. Oui! Détendez-vous et je vais vous la conter. C'est un traité de poésie que j'aimerais appeler Les Chevaliers du Temps Jadis. Eh bien, je sais que le titre laisse à désirer, mais l'histoire est véridique. J'ai une triste histoire à vous conter sur le noir destin de preux chevaliers qui virent leurs rêves emplis de gloire brisés par le pire des cauchemars. Une dure histoire de lâcheté et de vertu en chemin égaré, les menant aux frontières de la peur, au pays de la vengeance et rancœur. Fiers de leur droiture et sûrs de leur force, venaient joyeux les six guerriers féroces. On est 7? Ouais. Non, on est 6. Oh. Pour battre le mal au cœur de l'enfer et propager bravement la lumière. Mais la lumière seule ne suffit. Quand par tous l'ire infernale est subie, car des profondeurs d'où viennent les flammes, le démon met à l'épreuve les âmes. Tous combattirent au risque de périr pour voir leur noble mission s'accomplir. Las, la sombre et maudite trahison leur vola leur juste consécration. Les héros chevaliers emplis de gloire dormaient d'un sommeil serein en plus d'espoir. En plein d'espoir. Mais par leurs frères dans le dos frappé, leur vie par une lame fuyotée. Ah, la trahison. Amis, mais par les richesses tentées, l'avidité en traite l'a changé, laissant le mal défier s'échapper. L'honneur vaincu par la cupidité. Trop faible d'esprit pour tenir serment, il lutta aussi ainsi désespérément pour fuir le donjon et son maudit choix. Seul, il tomba, et seul, il succomba. Attention, je fais de la lecture. Hein. Les veuves crient et les orphelins pleurent. Les fiancés maudissent leur malheur. Les bardes chantent les héros perdus. Et les fantômes semblent revenus. Incroyable. Même si le futur est incertain, éternel veille toujours les gardiens. Avec une fureur incroyable, ils espèrent une aide charitable. Pour qu'un pour tous devienne tous pour un. Super. Merci pour la référence. Les âmes pures, blessées dès des défunts. Ne peuvent encore sombrer dans l'oubli, l'honneur doivent
doit d'abord être rétabli. Six ils étaient et six ils doivent être. C'est leur vœu le plus cher devant les prêtres. Tous attendent que soit expié le crime, qu'ils puissent enfin quitter cet abîme. Je n'y étais point, mais on m'en a parlé. Des preux chevaliers d'un lointain passé, susceptibles d'exaucer vos prières si le retour du gredin les libère. Bon, c'est intéressant, jeune barde. Est-ce qu'il cache une vérité? Bon, après, on lui donne les pièces. Ah, il y a du vrai dans chaque chose, n'est-ce pas? Je ne peux qu'attester de la véracité de l'histoire en elle-même, car je l'ai composée à partir de ouï-dire. Je sais seulement qu'elle a du succès quand je fais circuler mon chapeau. Elle touche la corde sensible de beaucoup pour être pour sûr. Bien, bravo. Vous avez un bel avenir devant vous, jeune barde. Je vous souhaite de revenir, de réussir dans vos voyages. Voilà. C'est vraiment trop gentil. Très bonne journée, et vous, à vous, et bonne route. Eh bien, on va prendre cher. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est le pont. J'imagine. Traverser le pont. Ah ah! Qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des zombies! Ah bah ouais, je comprends mieux maintenant. Ah ça, tu peux faire des kamehameha. Fais des kamehameha. Non, des kamehameha. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Oui, bien sûr. Le problème des zombies, c'est que ça pose rien au sol. Ça, c'est pas marrant. Bentan. Bonjour, Bentan. Zette. Salut, camarade. Hola, je suis Bentan, le plus dévoué et fidèle du serviteur du grand Ilmater, le dieu brisé. Je me demande si certains d'entre vous suivent le chemin du dieu pleureur. Pour quelle raison devrons-nous suivre un dieu si ennuyé et si inutile? Ah, je sais pas, peut-être que oui, certains d'entre nous. Seuls certains d'entre vous vouent un culte à Ilmater. Eh bien, apparemment, ceux d'entre vous qui vénèrent le dieu pleureur n'observent pas leurs devoirs. Et ceux qui ne connaissent pas la vraie foi, écoutez-moi attentivement. Bien, comme vous le savez sûrement, Ilmater est le dieu de la souffrance. La plupart des gens interprètent immédiatement cela comme une souffrance à endurer, mais croyez-moi, les histoires que vous avez entendues sont probablement extravagantes et irréalistes. Souffrir au service d'Ilmater arrive tôt ou tard, mais écoutez, c'est la plus plaisante des sensations, d'autant plus qu'elle vous ouvre la voie de la sagesse. Une fois vous aurez souffert au service d'Ilmater, votre regard sera éclairé sur les maux du monde, les péchés tels que l'avarice, la cupidité, la luxure et surtout la magie. Par magie, je n'entends pas la puissance divine accordée par Ilmater, mais plutôt les pouvoirs maléfiques utilisés par les sorciers. Alors non, on n'est pas sorciers, nous. Tout ce que vous avez à faire pour devenir un adorateur d'Ilmater, de renoncer à vos possessions terrestres. Ah, je connais ça. Vous parcourez le monde en souffrant à la place des autres. Ok, d'accord, ok. Lol. Vous répandrez la bonne parole comme je l'ai fait avec vous. Alors que pensez-vous? Allez-vous rejeter vos possessions et devenir fidèle à Ilmater? Mais j'ai pas de possession. Je suis déçu que vous preniez ainsi. En tout cas, j'aurais essayé. Ilmater sait que j'ai essayé. J'espère que vos jeunes esprits crédules ne sont pas pervertis par les forces maléfiques qui hantent ce monde. Ça va. On aurait pu se convertir, mais là... On n'a pas de possession. À part... On n'a même pas de chaussures. Merci, pèlerin. C'était un pèlerin. Bon, bah, on va à l'entrée du donjon. Hein. J'imagine que c'est là qu'il faut aller. Par où on passe, d'ailleurs, si je clique ici? On passe par le pont, ok. Moi, j'imagine qu'il doit y avoir plein de trucs, là, sur les côtés. En bas. Oh. Excusez-moi pour les oreilles. On va faire dodo pour récupérer les points de potion, les points de vie, tout ça. Les sorts qu'on a achetés. On va se faire attaquer encore une fois, mais c'est pas grave. Voilà, quoi de mieux que de rentrer dans un donjon de nuit?
On l'a déjà fait. Ah mais oui! Oui, bien sûr. C'était ça le donjon? Ah bah du coup c'est bon. Bah, du coup on Oui, est... bien sûr. Attends, je comprends pas, on est arrivé du pont de Fall... Ah oui. C'était une... pour aller plus vite au pont. C'était ça l'histoire? Je sais plus. Qu'est-ce qu'on fout ici au fait? Cap. Non. Mais on devait pas aller là. Ah oui, il fallait que je vole une cape. Voilà. Gondolar, au petit chanceux, nous a informé qu'il existait un passage secret en direction des ruines. Bah, c'est bon, alors, du coup. On est aux ruines. On va se balader. Hein. Je vois pas trop ce qu'on peut faire. Ah, voilà. Peut-être qu'on doit descendre. Oui. C'est Bentan encore? Meilum, salut mes petits, vous avez l'air de voyageurs expérimentés, s'entendre entre vous me semble de fin guerrier. Je m'appelle Meilum, je suis la meilleure lame de la côte des épées. Vous avez peut-être entendu parler de moi car je suis assez connu. Oui, je sais, je suis imbattable. Je n'ai jamais perdu un seul combat. Parfois c'est difficile d'être un APIS de telle renommée. Vous savez, les gens vous lancent des défis, les femmes arrachent leurs sous-vêtements. Mais que puis-je faire? Si vous êtes né avec un tel don, autant le montrer. Il suffit. Nous vous défions, tirez donc votre épée. Ce fut un plaisir de faire votre connaissance, Meilum. Si l'on se revoit un jour, vous pourrez peut-être nous montrer quelques bottes secrètes. Bien, maintenant, je dois vous laisser. Vous savez ce que c'est, beaucoup d'endroits à visiter, des gens à rencontrer. Eh bien, bravo, Meilum, tu as fait ta promo. C'est un mage, ça. Il me rend. Oh, je vous en prie, faites-le taire. Arrêtez ces hurlements, faites-le taire. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous énerve à ce point? Madame, si vous voulez de l'aide, vous allez devoir vous calmer. Bah non, mais c'est mal écrit. Il est. C'est dans ma tête. Ça ne veut pas s'arrêter, ça murmure en permanence tout le temps. Vous voyez cette gerbe? Vous la voyez? La voyons. Mes compagnons et moi avons exploré les ruines de Flamme 20 et nous avons trouvé cette gerbe. Elle a rendu tout le monde. Haché et coupé du sang, tellement de sang. Ils sont tous morts maintenant. Il ne reste plus que moi. La voix, elle me dit de dire le nom. Si je dis le nom, elle promet des récompenses importantes. Mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je vais pas lui demander de donner-nous la jarre. Que voulez-vous que nous fassions, madame? En quoi pouvons-nous vous être utiles? Il n'est pas possible d'aider la pauvre Karza. Vous ne pouvez pas aider Karza. Vous devez courir et vite. Bientôt Karza ne sera plus capable de résister. Bientôt Karza dira le nom. La chose viendra. Il y aura du sang. Mon sang. Votre sang. Ouais. Oh là là. Oh là là là. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait une bêtise? On se maudit ou pas? Bien, Karza, merci pour tout. Bonne chance pour cette histoire de jar. De toute façon, dans les deux cas, je pense qu'elle meurt. À mon avis, si elle nous donne la jarre, elle meurt. Au revoir, à plus tard ou plus tôt, mais probablement jamais. Elle part avec la jarre. Je veux bien l'aider, hein, mais. Et ça sent la malédiction. Ah! Squelette. En fait, c'est le truc, c'est que la jarre, il faudrait qu'on sache à qui il la faire porter, mais je pense qu'il n'y a que Imoen qui pourrait la porter, mais je suis même pas sûr qu'il peut. Si on fait porter à Dorn, s'il s'en prend à nous, c'est compliqué. Bon, on va essayer juste de prendre, pour voir ce que ça donne. Ça de toute façon, hop, on Une tâche facile. Oui, bien sûr. Ah, on va aller voir Meilum, on va lui faire sa petite promo, et après on va voir Karza, et on va lui dire oui. Oui?
Dommage, il aurait pu nous aider avec Karzar. Non, Karza ne donnera pas la jarre. Cette jarre est à Karza et à elle seule. Allez-vous-en, ou Karza va dire le nom. Ils mourront tous. Ne prenez pas la jarre, elle est à moi, ne me touchez pas, ou je vais dire le nom, ne me touchez pas. Non, Kark. Oh, Kark tout puissant. Elle est morte. On a essayé de prendre la jarre. Ce gars est protégé. Alors, Kark, quel niveau tu as ? Le serviteur de Dame Nature attend. Je suis libre, enfin mortel. Avant de mourir, sachez que vous avez comblé Kark, le plus puissant des ogres mages. Vos morts nourriront mon pouvoir, car à cette heure, je suis faible. Je vais mourir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Nous, on sait ce qu'on fait au mage. C'est pas sympa. Peut-être... Tu peux... Ouais, bon, on va faire dodo de toute façon. Il n'y aura pas besoin, en vrai. D'appeler la main. Ouh, voilà. Tâche facile. Salut Striga. On est perdu dans la nuit. J'espère que tu as bien ri hier. Ça devient important de rire. Il n'y a pas eu de slip hier. C'est bien la fatigue aujourd'hui. J'imagine bien. Bienvenue au club. On cherche les ruines de Flammevin. Apparemment, il y a une histoire de jarre maudite. On est débarrassé déjà. Elle est où la nymphe? Elle est là. Tu veux pas faire un truc genre de confusion pour faire juste la blague? Waouh, incroyable. Oui, bien sûr. Ouais, moi je pense que c'est ce que je me suis dit hier. En plus, j'en ai parlé au début, mais j'ai vu Anatomie d'une chute et j'ai trouvé ça très dur. Juste. Alors, c'était pas juste avant, c'était la veille. Ce qui est super dur comme film. Je me suis énervé. J'ai dû faire une pause, un entracte. Et oui, mais les réponses aussi, hein, y a des trucs. Je comprends. Que Franky est. On a marre de. Oui, bien sûr. On a marre de. Vous êtes une bien étrange personne. Des réponses qui sont toutes les mêmes. En fait, je me suis dit, c'est marrant parce que moi, il y a des trucs que je répondrais limite premier degré. Oui, bien sûr. Et je regardais le truc, je me suis dit, ah, c'est marrant. Tout tourne autour de. Ouais, de ce que. Des contenus des personnes, en fait. Alors que tu vois, genre, il y a des trucs, par exemple, peut sortir de la politique de temps en temps, même si tu sais que ça va marcher du côté du public, ça va marcher du côté des personnes qui sont là, tu vois. Oui, je pense que c'est même volontaire, je dirais. Il y a des trucs, il y a des moments, c'est volontaire, je trouve. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui dit nucléaire pour nucléaire. Donc bon, c'est pas compliqué. Hein.
Mais c'était bien. C'était bien. Moi, j'aime bien l'idée de faire un jeu comme ça qui revient. À date, pas à date précise, mais juste qui revient un peu souvent, et ça nous permet un peu de sortir du. Déjà, pour les personnes qui font et qui jouent, sortir un peu de leur contenu déjà calibré entre guillemets. Et les personnes qui regardent aussi. C'est pas grave quoi en fait de souffler un peu. Là en plus là c'est un peu le moment. Enfin c'est un peu le moment. C'est un peu souvent le moment, mais là c'est compliqué. On est à 5 mois de génocide. Hier c'était il y a tellement de trucs qui se passent en même temps. Qui sont alourdissants en fait. Donc C'est voilà. fait. Moi je pense que c'est pas mal. Et je pense qu'il en faut en fait de temps en temps quand même de souffler juste. Ouais. Parce que pour avoir de la résilience, on va dire, je pense qu'il faut souffler. Exact, je pense que c'est nécessaire. Bon, il y a des zombies, hein. On a compris qu'il y avait une faille spatio-temporelle quelque part. Je vais peut-être envoyer Je ferai de mon mieux. L'obscurité tombe et la nature s'endort. Pourquoi nous agitons-nous encore? C'est vrai que c'est une bonne question. C'est une bonne question, je me pose ça constamment, mais je crois que Jaira, tu n'es pas trop anticapitaliste quand même, hein. Est-ce que tu te poses la question du travail déjà. Est-ce que ça doit exister, tu vois? Est-ce qu'on peut tout s'arrêter et se dire bon allez, on souffle, on en a marre. Attends. Il y a le chat qui a failli se pointer là. Oui, moi aussi. Tombé dessus, mais en fait c'est. Je comprends tout à fait pourquoi il faut les distribuer parce que en fait. Mais c'est vrai que on voit des images. Hein. Et en fait, c'est pas la première fois où je me dis en fait il y a des images, on n'aurait peut-être pas. Enfin, tu vois. Là, c'est nécessaire parce qu'il y a personne qui qualifie bien ce truc qui est en train de se dérouler. Et maintenant, une tâche facile. En tout cas, dans les médias, dans les gens qui en parlent et tout, je comprends même pas comment enfin, même si tu fais pas ton. Enfin bref, c'est hyper hyper idéologique. Hein, c'est un peu bête hein, comme truc, comme réflexion que je vais faire. Mais même si tu connais pas le terme ou tu t'intéresses pas au terme ou quoi que ce soit, genre ouvrir un dictionnaire. N'importe lequel, hein, je pense. Hein. À la lettre G, c'est un peu le béaba normalement des journalistes, hein. Au minimum. Oui, non, mais t'as raison. De toute façon, il faut se préserver. Hein. Je dis pas le contraire, moi je slide vite, quoi. Mais ouais, je comprends pourquoi c'est distribué. C'est ce que j'essaye d'expliquer. Clairement, on a pas forcément. Tout le monde n'en a pas forcément besoin. Clairement, mais il y a des gens, apparemment, ils ont même pas. Il y a des lanciers. On n'a jamais vu de lance depuis le début. Ah non, c'est des albardes. On n'a pas vu grand monde avec des lanciers. Ouais. Ouais, non, oui, j'avais bien compris, t'inquiète. Mais ouais, dans l'idée, c'est clair qu'on a des. On prend des images, hein. On prend des images en pleine tête, c'est nécessaire, mais on en prend. Et je pense que, tu vois, ça ne sera même pas discuté par la suite. C'est-à-dire que le fait que. Tiens, c'est vrai que j'avais ça. Est-ce que c'est mieux? Non. Sort des dryades, c'est nul. Est-ce que tu veux pas. Un nouveau truc? Oui, c'est mieux. Allez hop. Ça, c'est quoi comme arc? C'est un arc nul? Ouais. Je vais mettre ça par terre.
Tu es protectrice des dryades maintenant, officiellement, Imoen. Une tâche facile. Bon, on se balade dans les pompes flammes 20, mais on fait que du level up hein, ici. Hein. Aujourd'hui, c'est ça, on se balade et on essaie de taper des niveaux avec des 65 d'expérience. Alors, j'ai pas trouvé l'entrée pour l'instant. Des ruines. Des kobolds. Mais même pas. C'est juste qu'elle est protectrice des dryades parce que je lui ai donné une. Un arc. Qu'on avait trouvé, je sais plus où. L'entrée était là. Que la sortie, les ruines sont à côté. En fait, il faudrait peut-être aller là, je pense. D'un pont. Non, mais en fait, moi, j'arrive plus à suivre beaucoup. Après, c'est un truc un peu que ce qui m'arrive assez souvent, c'est-à-dire que j'essaie de trouver de la logique là où il y en a pas. Et de l'idée et après tu vois genre on est tellement dans une éducation avec une idéologie très précise quoi genre que en fait je comprends pas comment les gens ils arrivent à se mettre dans cette position là en fait je comprends pas c'est pas se remettre en question il y a plein de trucs comme ça que je me dis mais waouh c'est fait c'est dur il y a pas de remise en question il y a pas de Là, j'ai bien compris que vous essayez de monter par là, mais en fait, vous avez pas les bottes de montagne. Donc, vu qu'on a pas de bottes, on va passer par là. Après, ouais, c'est clairement, en fait, c'est hyper volontaire, et c'est ça qui est attristant de ouf. Hein. Bestiole quelque part. Pas où, mais. C'était quelque part ici, je crois. Ah, des pièces. Attends, il y a des pièces. Je prends des pièces. Oui, le chat. Bonjour, le chat. Et maintenant, où ? Ah, c'est fait. Il y avait peut-être un truc, là. Il y a un cadavre. Mais les cadavres, c'est moi qui les ai faits. Oui, c'est ça. Mais même en fait, hein, je me dis, tu vois, genre le. Ça signifie tellement de choses de. Tu vois, genre dans ma tête où je me dis, ouais, genre. Ah, donc ouais. Tu vois, genre l'empathie, c'est pas. Oui, c'est pas un truc que tout le monde a, déjà. Et tu te dis, ah. Tu vois, la remise en question, ou se dire, si j'étais à la place des gens. Tu vois, genre juste. En fait, enfin. Oui, une tâche facile. La compréhension de l'existence d'autres personnes que soi. Apparemment, ça a l'air compliqué aussi. Genre. Wow. Et même juste accepter l'existence de certaines personnes, en fait. C'est genre. Waouh. Mais du coup, il y a plein de trucs comme ça où je me dis, ah ouais, c'est... Genre, où je me suis dit, ah oui, c'est... On en est très très loin de plein de choses, et c'est super dur à voir et à entendre, quoi. Je pense que peut-être ici, on peut passer. Je sais pas où sont les ruines, donc du coup, on essaye de les trouver, hein. C'est pas par là non plus. Sur la map en tout cas. Mais là il doit y avoir des trucs quand même. Enfin, je sais pas, non. C'est juste le pont. Oui, bien sûr. Mathieu et Kark et c'est bon. Et là, normalement, dans la quête, ils nous disent. Il existait un passage secret en direction des ruines du pont de Flamme 20 dans l'une des cabanes de Gulkin. Mais c'est ce qu'on a fait. Maintenant, on fait quoi? On a trouvé le passage, mais après. On est aux ruines du pont de flamme. Donc les ruines, c'est censé être ça, mais bon. Rien en fait dans votre truc là. Rien. Hein. Je
Parce qu'on est censé trouver quoi? Il y a l'entrée du donjon, c'est l'entrée du donjon, c'est là où on est arrivé. Vient de faire toute la map. À part qu'on s'est boycott l'autre là. Bon, on va repasser par là. On va revenir à. Je vois pas ce qu'on pouvait faire. Ah oui, il y avait aussi. Ah ouais, non, mais il y avait ça aussi qui m'a énervé là, cette semaine. La discussion avec les. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Avec les profs là sur Twitter, mais what the fuck. C'est aussi que ces derniers temps, faut que je fasse attention à ma santé mentale, parce que dans ma vie perso, il y a saturation forte. De manière générale, on s'oublie quand on est militant. Et un peu, ouais. Ouais, bien sûr. Mais ouais, je pensais à ça, là, l'histoire de... Entre le handicap et les profs, là, sur Twitter, mais quelle histoire... Mais qu'est-ce qu'ils sont... Alors, je... En fait, c'est, ça explique aussi pourquoi je m'énervais quand j'étais assistant... Quand j'étais... C'est fait. Quand j'étais, ouais, assistant, comment ça s'appelait, déjà? AES, je sais pas quoi. Aide d'éducation, je sais pas quoi. Ah, j'ai... On m'a demandé à la fin, en plus, ouais, ça t'a donné envie d'être prof? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, les gens. Attends, ils pensent que tu travailles avec eux. C'est... Non, tu vois, il y a des gens qui peuvent être cool, tu vois. Mais bon... Tu travailles avec eux. Tu travailles avec eux et tout. Et tu vois, par A plus B, tout ce pourquoi. En plus, c'est ça qui est grave. C'est que moi, j'y suis allé en étant curieux de voir. Parce que je sais, tu vois, tout le processus de l'humiliation et compagnie. Tout le processus de l'institutionnalisation, etc. Je savais déjà. Mais je me suis dit, ouais, je vais aller voir de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire dans le sens où je vais voir comment, soi-disant, c'est... corpus de gauchistes, ce qui est faux, hein, parce que c'est clairement pas ça, c'est clairement pas ça. Ils sont tellement dans leur move à voter en plus déjà, mais ils sont déjà dans des trucs genre tu te dis, bah en fait, c'est normal que ça facile. Se passe comme ça, vous êtes totalement dans le même esprit en fait. Et donc du coup, tu vois, genre, le truc de, ouais, on manque de moyens et compagnie, mais en fait, il y a plein de trucs aussi où... En fait, vous en donnez pas les moyens, aussi. Et c'est un truc, genre, juste tu peux, en fait, dire... tu vois, genre, t'as l'inspecteur qui est un jour, qui est là, l'inspecteur qui fait chier, là, peut-être que, comme tous les profs disent, et bah ouais, bah, l'autre jour, bah, tu peux changer tes manières de faire, en fait. En suivant ce qui est le béaba pour les profs, qui est quand même le décompte de ton manuel de A à Z sur les élémentaires, par exemple. Waouh, et c'est tellement, ils sont tellement, en fait, ils sont tellement déjà dans un truc, une logique, t'as pas envie, en fait, t'as vraiment pas envie, je comprends même pas comment, tu vois, genre, encore une fois, pas de remise en question, rien. Oui, je vois, ouais, je vois, non, mais c'est, je pense que, en plus, toi, du coup, t'as dû avoir aussi une autre version, parce que, tu vois, ils te considèrent comme collègue, moi j'étais juste, le gars, le gars qui est là, quoi. On va dire. Qui est là pour... pas pour faire chier, mais pour aider, quoi. Oui. Ah non, il te considérait pas comme collègue? Incroyable. J'espérais qu'on vous fait partie de ces aventuriers qui veulent changer le monde ou je sais pas quoi. Alors, allez donc harceler les ogres au sud si ça peut vous soulager. Ok. Bon, ma tante naine, plutôt confuse, nous a signalé un campement d'ogres vers le sud. C'est très bizarre la manière dont vous l'avez dit. Peut-être qu'on va les faire chier au sud. Ah non, apparemment. On est un peu agressif. Oh bah voilà. Et elle te considère comme un paillasson. Mais oui, mais en fait, il y a un truc comme ça où c'est... Tu vois, quand tu parles des valeurs de la République, je me dis, bah en fait, c'est la même position que les profs ont en tête. C'est un truc... Eh, c'est moi qui porte les valeurs, hein. Attends, c'est moi qui transmets. Waouh. C'est très très dur à voir. Moi je trouve que c'est très très dur à voir. Je sais même pas comment j'ai fait pour tenir. Parce qu'il y a des trucs, genre, tu dis, mais... Laissez-nous tranquille. Et en fait, il y a personne qui est aussi du côté des enfants, clairement.
qui les écoutent, tu vois, genre sans amener. Bah, on parlait d'anatomie d'une chute, sans interpréter les faits à leur manière. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un mauvais élève, c'est forcément un mauvais élève, tu vois, et qui donc du coup découle tout le processus de. Non mais en fait c'est potentiellement quelqu'un qui peut être violent, enfin, tu vois, genre mais what the fuck, et bizarrement c'est toujours les mêmes, et genre tu regardes le truc, tu fais mais en fait vous lui avez parlé genre juste pour savoir pourquoi ce jour-là par exemple il avait eu du mal à faire ses devoirs, genre non, bah non, très peu en tout cas. Et si c'est discuté, c'est avec l'autorité, c'est-à-dire que en plus tu dois aller voir la direction. Parce que voilà, tu vois, y a pas le time, soi-disant. Alors juste poser des questions, c'est compliqué, quoi. Alors que je devais bien souvent avoir vu le double de diplôme, avoir le double de diplôme qu'elle, vu que c'est ça qui compte apparemment. Oui, bah apparemment oui, c'est ça aussi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Après, il y en avait des très gentils, mais elle a jamais. Ouais, alors les très gentils, c'est pas non plus les. Pas non plus les mieux, parce que en fait, quand tu réfléchis sur le. C'est pas la gentillesse qu'il faut avoir avec l'autre groupe. Ceux qui se disent pourvoyeurs des valeurs. Moi, je pense pas que ce soit de la gentillesse qu'il faut. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sprat, vous avez fait quoi? On se traîne. Ah. Un ogre mage. Voilà, l'ogre mage est mort. Cimetière. Est-ce que c'est un cimetière qui peut être intéressant pour Azad? Non. Bon. Une tâche facile. Déjà, c'est rien que sur les normes dans les écoles. Ouais, rien que ça. Alors, du coup, la discussion qui était sur le. L'inclusion, l'exclusion, là, parce que c'est, apparemment les profs veulent absolument exclure les personnes handi. C'est dur. Franchement, je lisais le truc, je me suis dit, mais vous savez pas à quel point vous êtes con. Et encore, c'est gentil de dire con, hein, parce que là, c'est vraiment. Je dois courir jusqu'à l'âme et faire un rapport sur des situations tout à fait désespérées. Les attaques de bandits se multiplient, le minerai de fer s'amenuise. Mais on a déjà tout fait, Sprat. Tu peux partir si tu veux. Hein. Raconte que tu as rencontré les gens qui ont déjà géré la grotte dès le début. Hein? Salut! On est à la fin du jeu, là, Sprat! Faut se réveiller! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Des Xvart? C'est quoi, c'est des Xvart? Pourquoi ils s'en prennent à une... Alors, il nous faut protéger cette vache! Je peux toujours essayer! La vache va se protéger elle-même aussi, bien sûr, on va discuter avec... avec cette vache-là. Qu'est-ce que vous voulez? Oui? Une tâche facile. On va aller discuter avec la vache pour qu'elle se protège elle-même. Au secours, c'est encore des Svart qui sont après ma vache. Vite! Occupez-vous de ces Svart! Vite! Passons aux choses sérieuses maintenant! Ma lame vous coupera en morceaux! C'est qui ça? Tu veux pas attaquer? On avait dit qu'il fallait qu'elle puisse discuter. Qu'on puisse discuter avec cette vache. Oui, bien sûr. Et faire en sorte qu'elle se batte avec nous. Apparemment, c'est pas le cas. Le réutiliser pour que cette vache puisse se battre avec nous. Non. De toute façon, c'est pas comme si on n'était pas une équipe de bourrin. Oui, 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 il y avait du monde. Tâche facile. Pour une vache. Et voilà, la vache est avec nous. Bon, ça a pris du temps, mais voilà. Elle s'est pas battue, mais elle a survécu.
Merci d'avoir sauvé Arabelle. Depuis que ces Xevart et leurs cousins Cobalt ont envahi les mines de Nashkel, ils nous attaquent de plus en plus souvent. Si quelqu'un comme vous pouvait résoudre tout ça, c'est ce qu'on a fait déjà. Et mettez-vous à jour, on est à la fin du jeu. Là, on est en train de level up ici, nous. Quelqu'un comme vous, voilà. Ok. Que Dieu vous garde si vous réussissez. Une base proche, mais du coup, attends. Ouais, abandonné. C'est vous le méchant. Elle est abandonnée, ils ont dit. Mais attends, je comprends pas. Excusez-moi, je vais regarder la map. Hein. Je comprends pas, mais on est déjà allé à Nashkel. Là, on n'est pas allé de ce côté-là, c'est clair. Mais le pont Flamme 20, c'est juste à côté. On n'est pas traîné ici. Après, il y a Bois Manteau, là, quelque part. Hein. Voilà, Bois Manteau, mine. Bois Manteau qui est. Regardez comment c'est collé ici, tout d'un coup, là, il n'y a plus rien. Gulikin. Je comprends pas ce truc-là. Hein. Dans l'une des cabanes de Gulikin. On est déjà allé à Gulikin, et on a déjà vu qu'il n'y avait rien. Pont de Flamme 20. Donc je vois pas ce qu'on peut faire. Ah, des loups. Il a essayé de parler. Roland, il a essayé de parler à un des loups. Ah, il a reparlé avec les loups. Ah non, mais c'est pas cool là, vous êtes en train de taper un loup qui est avec nous. Il est en train de se faire des points d'expérience à notre oui, place. Sûr. Roland de la Trobrosson, t'es dur avec nous, hein, je trouve. Genre, tu fais ami-ami avec les loups et après tu les tapes. Trop bizarre. Genre, t'as switché Non, t'es chaotique bon, ça va. Ah, je suis béni par les dieux. Incroyable. Tout le monde est béni par les dieux. Je pense que ça doit être Jaira qui nous a béni. 11h14. Ah, désolé. Bonjour, bonjour, messieurs, dames. Azad, s'il te plaît, fais des trucs. Putain, allume la lumière. Oui, bien sûr. C'est quoi là ce qu'il dépose? Nuage puant, intéressant, hein, mais on peut pas l'utiliser. C'est toujours intéressant d'avoir des parchemins quand on peut pas les utiliser. On va encore devoir se balader partout parce que on voit pas de chemin au sol. J'adore. Ah, les kobolds, again. Y a une bonne, un bon écosystème ici de bestioles. Ah mince, pardon. Je range mes potions. Voilà, j'ai de la place maintenant. Bim! Oui, bien sûr. Va falloir qu'on passe à Berigost vendre des trucs, hein, je crois. On en est qu'au début de la nuit, hein. Ça fait un moment quand même qu'on est dehors. Bon, en tout cas, j'espère que tu vas bien, Strega. Ah, ah. Le fer ou la vie? Non, le fer et la vie. Ouais, c'est mieux. Que voulez-vous faire avec notre fer? Vous ne voulez pas vraiment nous tuer, n'est-ce pas? Ouais, nous tuer, vous. Peut-être mangez-vous plus tard. Grand fer fondu. Ok. Peut-être quoi? Des demi-ogres. C'est peut-être un peu moins intéressant que les ogres tout court, non? Je ne sais pas. Hein. Écoutez. Voilà. On peut faire de plus. 1h40 déjà, ça fait 1h40 que je suis en stream. Eh mais attends, c'est quoi ça? Hache de Bala, le tueur de magiciens. Ah mais oui, d'accord. Ah oui, ça c'est les trucs qu'on a équipés, qu'on peut utiliser. Mais là on a rien, là, par exemple. Là on a rien. Là on a rien. Bon, voilà, on va te taper de loin de toute façon. Bim. Et là on a... Oui, c'est vrai ça, on a les cheveux de la nymphe. Ouais.
Ouais. Passons aux choses sérieuses maintenant. Ah, mais il y a encore les scalpes de bandits. Vous étiez bandit scalpé? Ah. Une épée à deux mains. Ouais, mais bon, j'y crois pas trop que ça va être des épées intéressantes. Bon, allez, on continue. En tout cas, là, il y a un chemin. Vers quelque part. Mais il n'y a rien. Encore une fois, il n'y a rien. On n'a même pas une grotte avec quelqu'un qui voit pas bien ses... Ah, si. Lon ou Yon. Yuan. Galchobai. Il y a un prix à payer pour passer ici et il se trouve que c'est votre vie. Souhaitez-vous bien vous en séparer. Pitié, prenez mon argent, mais songez à la que la vie est, bien sacré, est un bien sacré. Prenez ma vie, si vous le désirez, mais je préfère vous avertir. Un geste et vous mourrez. Alors commençons ces jeux subtils. Tirez, camarades, que leur folie nous enrichisse. Eh bien, merci. Vous allez mourir dans un tas de souffrance. Billy. On a rencontré Billy. Voilà, Billy est mort. Et voilà, lui, il est mort aussi. Mais c'est des bandits. Est-ce que ce serait pas les scalps que nous cherchions depuis le début? Incroyable, on peut plus rien prendre. Je vais donner ça à Imoen, je pense qu'elle a utilisé pas mal de flèches. Même pas. Je suis dans ma dépression. J'ai dit les flèches, voilà, les flèches. Non, c'est pas... Oui. Bah, prends soin de toi, comme tu disais, je pense que c'est nécessaire de temps en temps. J'ai des flèches, mais en fait, j'en ai trop, là. On a trop de trucs à vendre, hein. Tiens, prends un dorme. Moi, je fais la collection des flèches qu'on connaît pas le nom. C'est fait. Non identifié. Ouais, non, c'est important. Comme coller. coller. Coller serré, comme dirait certains poètes français. Pour ceux qui ont péri. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Les kobolds, en fait, j'ai pas envie de vous. Moi, j'ai pas envie de vous trucider, mais c'est vous là, vous avez décidé que vous étiez trop puissant pour. Enfin, vous avez un problème d'ego, je pense. Quelque chose comme ça. Vous essayez de m'attaquer à chaque fois, mais vous avez pas compris que, en fait. J'ai pas forcément besoin d'avoir de l'hostilité envers vous, en fait. C'est vous qui êtes très hostile, je trouve. Bon, alors. Le stream. Il y a un arbre. Un jour, on va trouver des trucs. Ah, des Xvart. Intéressant. Je La main gauche de Razad est dure. Hein. Franchement, la main gauche de Razad, elle me fait mal. Hein. Mal au cœur, quand même, la main gauche de Razad. Mais on est tellement riche, je sais pas quoi faire avec tout cet argent. Tellement riche dans le jeu pour rien, et on a même pas de possibilité d'acheter des chaussures dans ce jeu, c'est quand même grave. Hein. Mais je sais même pas, en fait, on est censé aller où, là? Y a rien, du tout. Bon, bah voilà. Ah, Dexart. Ouais, y a rien. Bon, on va se barrer. Ouais. On va faire dodo et on va y aller. Je sens qu'on va se faire attaquer sur le chemin. On va dormir à côté de la vache, notre pote. Ouater cette maison abandonnée. Est-ce qu'on... Alors, on peut parler à la vache ou pas? Un dodo.
Moi, je comprends pas. On peut parler avec les animaux dans les autres, mais apparemment, celui-ci, non. h 22. Je savais même pas que ça faisait 1h40 que j'étais en stream. Donc, on va se dire que. On va se dire que dans pas longtemps. Hein. Il faut que je. J'ai plein de. Enfin, j'ai des trucs à préparer en plus. Là, là faudrait peut-être aller ici ou là. Parce qu'en fait, il nous propose d'aller là. Parce qu'on a eu une quête à un moment. Qui nous a dit qu'il fallait aller là-bas. On pourrait se dire, on va là. Oui, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, c'est vrai qu'il faut aller du côté. Côté du bord de la map. Tiens, petite précision aussi, la semaine prochaine, il n'y aura pas de stream. Normalement. Parce que je vais kiffer la vie in real life, you know? On est arrivé direct, comme ça, il n'y a pas d'attaque, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se passe comme ça, hein? C'est le même jeu qu'on joue? Ouais. Bon, après, je dis pas que je kiffe pas In Real Life tous les jours. Hein. En vrai, tous les soirs, ça va, tranquille. Je m'amuse bien. Je regarde des trucs. Vous avez largement pénétré en territoire ennemi. Ah, d'accord. Peut-être êtes-vous venu pour nous espionner le rassemblement supposé de nos troupes. C'est drôle, les idées stupides que vous vous mettez dans la tête, vous, les barbares du Nord. On a essayé de me faire insulter par tous les... Faf, comment ça? Attendez. Ont-ils essayé de faire quelque chose? Tendai, de la noble maison marchande des Aigrim, première famille d'âme, d'Eldieu, Alexandre et moi sommes venus chasser le gibier, mais peut-être pouvez-vous nous offrir un meilleur sport. Je suppose que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Quel monstre à figure humaine traquerait son prochain? T'as une bête sauvage. Bien sûr que ce n'était pas sérieux. Ce que j'ai dit, c'est par pure plaisanterie. Avec votre mentalité barbare, vous interprétez mal n'importe quel discours. Au revoir, paysan. Je vous souhaite bonne chance pour vos voyages. Vous en aurez probablement besoin. Ok. Bon, bah, première fois qu'on rencontre des Amiens. Enfin, je crois. Ah, d'Exvart. Incroyable. Ouais, je viens de me rappeler de ce que je dois faire aujourd'hui. Waouh, en fait, c'est dense, hein, comme journée. Faut que je fasse des impressions. Voilà, je suis reparti dans mes habitudes de malader dans la map en ouvrant toute la map. Je me fatigue moi-même. Je suis désolé, hein, mais... La recherche du level up, c'est ça aussi. Vous avez l'air drôle. Oui, on est très rigolo. Ici, petit toutou. Oh, pourquoi ne rentres-tu pas à la maison? Excusez-moi, je suis vraiment désolé de vous déranger, mais pourriez m'aider? J'ai perdu mon petit chien et j'arrive plus à le retrouver. Il a sûrement très peur maintenant. Oui, bien sûr, mon petit, je serais ravi de vous aider. Comment vais-je le rencontrer? Reconnaître. C'est vrai. Oh, merci beaucoup, je suis rassuré. Pauvre Ruffy, il n'est pas habitué aux endroits nouveaux et aux étrangers. Vous pouvez pas le rater, il est tellement adorable. Tenez, prenez ceci, c'est son jouet à mâcher préféré. Il saura que vous, lui, voulez pas de mal si vous l'avez dans la main. Merci encore. C'est qui est là? Qui a le jouet de Ruffy? C'est ça? J'ai à mâcher. Est-ce que tu peux le porter en main gauche? Parce que de toute façon, pas comme si ta main gauche servait à quelque chose, Razad. Non? 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 Ok. Bon, bah c'est bon. Oui, bien sûr. Voilà, enfin une quête intéressante depuis le début, on n'en avait pas beaucoup. Au moins il y a un but, une fin. Là tout à l'heure c'était juste aller dans les ruines, il y a un passage. Ah bonjour, vous êtes le chien de... Non? Faut que je fasse attention parce que là ils sont en mode autonomie, ils ont tendance à tuer tout le monde. Hein.
Bien, c'est des... Pourquoi les loups des glaces ils sont là? Pourquoi ça claque hein? On peut même pas récupérer. On peut même pas les récupérer. On a trop de choses sur nous. C'est trop lourd les pots de loups des glaces alors que ça se vend bien. Ça se vend bien. Éclair. Dans pas longtemps, on y va. Bonjour la compagnie. Salut la compagnie. On dirait que votre groupe s'est aventuré hors des sentiers battus. Tant pis pour vous. Pour votre malheur, vous avez rencontré le tireur le plus rapide de l'Ouest. Vous voyez cet homme là-bas? Il s'appelle Zal. C'est le lanceur de fléchettes le plus rapide de toutes les côtes de l'épée. Si j'étais à votre place, je n'éprouverais pas la patience de cet homme. Alors réfléchissez un peu et donnez tout de suite votre argent. Alors j'ai pas d'argent. Je ne veux pas, non. Je ne veux pas me battre contre des imbéciles ni vous donner notre argent. Allez à voir ailleurs. Bon, je ne veux pas d'ennui, s'il vous plaît, prenez l'argent. Bah, dites à Zal. Vous entendez ça, Zal? Ils vous prennent pas au sérieux, apparemment. C'est le moment de leur donner une bonne leçon, je regrette, mais ça va faire mal. Hop. Salut, Zal. Chose sérieuse maintenant. Zal est mort. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Merci pour les fléchettes, Zal. Ah, il a des bracelets, c'est ça l'histoire. Il était pas le plus fort. Il était juste le plus bracelet. Cette balle qui lance des fléchettes, personne du coup. Qui a besoin de ça? Je crois qu'on a des bracelets mais on n'a pas de chaussures. Pourquoi on trouve des bracelets mais on en... Ça me fatigue. Pourquoi t'as ça toi, GR? Ah oui, on l'avait récupéré. Ah, ça faut les garder, les parchemins de transformation de la pierre en chair. Non, on en a pas besoin. Attends, tu peux l'utiliser? C'est bon ou je me fais attaquer? Ah oui! Passons aux choses sérieuses maintenant! Des kobolds encore! J'en ai marre des kobolds. J'en ai marre. En plus, on gagne de l'argent, ce qui est grave. Et maintenant, que se passe-t-il? Ouais, oui, donc on disait. Figure autoritaire, tu peux utiliser ça? Ah oui. Bon bah voilà, c'est protégé. Fait. Ça c'est fait. Du coup le verre on peut l'utiliser, c'est les trucs de druide. Ah, peut-être qu'on va aller acheter des trucs. Ah des... Passons aux choses sérieuses. Mais non maintenant. Mais... Il y a toute la faune qui est contre nous. Ma lame vous coupera en morceaux. Un ruisseau, non. Il y a deux. D'Exvart, encore. Super. Je crois qu'on est pas loin d'Exvart. On a rien vu là depuis tout à l'heure. Bon. La thune. Super, merci. Courant d'eau, c'est ça que je disais. Il n'y aurait pas eu Clem pour péter les stats de messages ce matin. Non, apparemment, Clem avait été occupé. Ah, Daryl, Larry et Daryl. Ah, enfin des gens qui veulent discuter et qui, au lieu de nous agresser. Donc les zombies, les kobolds et les Xart. On va enfin pouvoir discuter de pourquoi vous nous agressez à chaque fois. Bonjour. Salut, Daryl. Salut, je m'appelle Larry, voici mon frère Daryl et mon autre frère Daryl. Très heureux de faire votre connaissance. Pourquoi un Xart, un kobold et un Tasslois se promène-t-il en faisant... Ah, c'est pas un kobold, c'est un tasse-loin. En se faisant appeler Larry... Larry, Daryl et Daryl. Tu vois, Daryl, je t'avais bien dit que ces types n'étaient pas de la bonne génération. Alors, il y a une référence quelque part. Je ne suis pas de la bonne génération, clairement. Larry, Daryl et Daryl. Autant de les avoir rencontrés en tout cas. C'est le meilleur rencontre. Voilà, je vous mets en autonomie de toute façon. Ouais, c'est bon. Hop, on récupère les flèches de feu.
Bon, intéressant. Hop. Oui, bien sûr. Et du coup, ils ont fait une map uniquement pour rencontrer Larry, Daryl et Daryl. On se balade bien dans Baldur, mais qu'est-ce qu'on rigole quand même. En tout cas, on les a pas tués. Ça c'est bien. On a pu discuter. Ça c'est cool. On remonte le ruisseau. C'est ça que je cherchais. Ah mais on peut pas remonter. Ah ouais, d'accord. Ah c'est chiant. Très très chiant. Là on peut traverser. Donc, alors, je regarde la map. En bas, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. On va essayer au milieu. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On aura fait ce passage-là. Je pense que Larry, Daryl et Daryl, c'est une bonne pointe de fin. De fin. F-A-I-M. La traduction. Ah, ça me fait rire. Ah, montagne pic brumeux. Bon, bah voilà, on est allé sur la montagne du pic brumeux. Apparemment, ça ne servait strictement à rien et je suis en train de me faire cramer la gueule. Ah, c'est un peu mieux. Ah, la source. Salut, Clem Lelu. Bienvenue. J'allais dire que justement, on allait s'arrêter là. On vient de rencontrer Larry, Daryl et Daryl. Est-ce que tu connais? Peut-être que toi tu fais partie de la bonne génération de Donjons et Dragons. Donc on peut aller de l'autre côté, mais on sait pas comment. Comment on fait? On traverse. Là? Là. Peut-être là. Daryl. Alors c'est Larry, Daryl et Daryl qu'on a rencontrés qui sont des Talwar. Il y en a un qui est à la... Salut, je m'appelle Larry, voici mon frère Daryl et mon autre frère Daryl. Très heureux de faire votre connaissance. Pourquoi un Xvart, un Kobold et un Tajloa se promènent-ils ici en se faisant appeler Larry, Daryl et Daryl? Tu vois, Daryl, je t'avais bien dit que ces types n'étaient pas de la bonne génération. Ce qui nous a fait forcément très rire. Il y a une ref, je pense qu'il y a une ref, ouais, clairement. Eh, mais on a un loup. Bonjour, le loup. Ah, mais c'est Ruffy. On a trouvé Ruffy. Attendez. Changement de programme. Et maintenant, où c'est fait? C'est qui a le... Non, c'est Razab. Non, c'est bon. Ok, on va protéger... On va protéger Ruffy parce qu'on a trouvé Ruffy. Ah, t'as pas la ref. Tu ne fais pas partie des gens de la bonne génération, toi, apparemment. Je pense qu'il y a une référence. On va la trouver. On va la regarder peut-être juste avant de partir. Ce que je disais, c'est qu'on justement on allait partir sur ça, parce que c'est c'est quand même le même... D'ailleurs, on a monté un niveau de JR. Hein. Ça, c'est bien. Bon, j'espère que tu vas bien, en tout cas, avec la MLU. Désolé de t'avoir demandé dès le début. Ah, il y a des kobolds de ce côté-là. Oh, okay. Mon cœur n'y est pas vraiment. Et je pense réellement que cette map, elle existe uniquement pour ça, donc ça doit être vachement important. Hein. On a trouvé le chien qui s'appelle Ruffy. Donc il doit y avoir un... Ah. Oui. Ouais. C'est fait. On a trouvé Ruffy. Donc on doit aller là, je crois. Ah mais on peut passer par en haut du coup. Oh là là, allez, dis-moi. T'es tellement vite là. Je peux toujours essayer. Je crois qu'il est dans le coin là, le gamin. Il est peut-être là. Elle est là. Ruffy! C'est qui la petite boule de poil? C'est qui le petit bonhomme plein de poils? Merci beaucoup, il faut immédiatement que je ramène ce petit chou à la maison. Tenez, prenez-y, c'est un truc à mâchouiller. Il y en a d'autres là où on va. Merci encore. Ah! Il faut rentrer, Ruffy. Les neuf enfers, ce sera mieux que ces climats trop rudes. Ah, mais ça, c'était un tiflin, du coup. C'était un enfant tiflin. Beaucoup de lore dans cette map. Une tâche facile. Ouais, c'est ça, les neuf enfers, c'est bien les tiflins.
Albert. Et ben voilà, on aura eu des choses hein, qui sont passées. Désinvolte, ce qui a stream en même temps que toi. Non mais t'inquiète, deux de mes streams préférés qui stream en même temps, incroyable. Merci pour le stream préféré, c'est agréable à entendre. Ouais non mais j'étais décalé, voilà. Nique-moi. Donc, qui c'est qu'on va raid? Ah bah y'a Bri. Ah y'a Shiraz, bah voilà. On va aller voir Shiraz, ça fait un moment qu'on n'a pas raid Shiraz. Donc on va raid Shiraz. Voilà. Bon bah c'est bien, on a fait des choses aujourd'hui. On n'a pas level up, mais on a fait des choses. Petit passage musique. Et je vous envoie chez Shirazland. Qui est en sujet sur... Alors j'ai vu c'était un react. L'arabe dans le poste. Avec du racisme dans le truc, bien sûr. Bravo bien sûr Strega pour ses 1835 caractères, bravo. Clem Lelu, bravo d'être passé et d'avoir quand même écrit 200 caractères, c'est fort. Shiraz a changé d'image de profil aussi. Joli dessin. Je vous dis au revoir et on se voit normalement. Alors c'est possible que demain il y a un stream. Peut-être. Si je suis réveillé. Voilà. Merci à vous d'être là. Je voulais regarder Ralphie. Bon, je regarde dans la journée, je vous envoie sur Discord. On va faire plus comme ça, c'est mieux. Moi, je te conseille de Flow, Désinvolte. Anciennement Radio Kara. Ah, mais c'est... Ah, d'accord, c'est Radio Kara. Bah oui, je vais se follow, ouais. Ok. Anciennement Un Art de l'Espace. Ah, il y a un lore. Je connais pas Un Art de l'Espace. Si, peut-être. Space Anna, peut-être. See you, Space Anna. Peut-être. Il reste 20 secondes. Demain, stream, peut-être, ouais. Je vais follow. Mais du coup, pourquoi Radio Kara n'est plus sur Radio Kara? Attendez, hein, ça va faire un son en double, 2 minutes. Hop, je vais aller follow tout de suite, là. Et du coup, ouais, je peux tout de suite faire un shootout. Ah non, mais il reste... Bon, salut !